me connaît, il te connaît, il me connaît, mon Jésus, sois guéri, sois libéré, sois béni, Yahweh. L'onction est en train de monter ici. Il me connaît. Bas les mains. Il me connaît. L'onction est en train de monter. Mon Jésus. Il me connaît, il me guérit. L'onction est ici. Il me guérit, Yahweh, mon Jésus. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûterait, même dans le désert. Il a toujours été là. Je ne peux imaginer combien ça coûterait, même dans le désert, même dans les déserts. Il a toujours été là. Donne-lui une offrande d'acclamation. Même dans les déserts. Il a toujours été là, même dans la maladie. Il a toujours été là, acclame bien, même dans les problèmes. Acclame. Il a toujours été là, acclame ici, même dans les problèmes. Il a toujours été là. Quand tu l'acclames, tu appelles la présence de Dieu. Glory to God. Je voudrais bénir toute l'équipe qui nous a accompagnés hier à Ottawa. Amine. C'était vraiment tremendous. For the Lord. Started doing over there in Ottawa. That was really tremendous. If you can get back in those pictures of yesterday, je bénis le Seigneur pour toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je ne peux pas citer les noms, je risque d'oublier certains. Mais on était nombreux, l'équipe des rachetés aussi. Mais on a été aussi surpris aussi par la participation de frères et sœurs qui sont venus, qui ont entendu parler de ces activités. Je peux aussi bénir le Seigneur pour la jeune Ruth Kalama qui fait l'interprétation là-bas. That was really something.
That was really something. Comme le pasteur Fidel a dit, on est en mission. Bon, nous, on va pas rester là sans rien faire. Je crois que c'est le temps. Il y a des frères là-bas qui nous poussent. Ils ont pris déjà une salle. La salle a été déjà prise pour qu'on soit un peu plus fréquent là-bas. On va voir comment l'Esprit de Dieu va nous conduire. Mais j'ai été façonné à même la plupart qui nous ont accompagnés hier. Il y avait une délivrance particulière pour une sœur. C'était spectaculaire. C'était spectaculaire comme ça. Mais elle était la première à qui j'ai appelé. J'ai commencé à donner un message prophétique que le Seigneur m'a donné après ma prédication pour elle. Et quand on a commencé comme pour la prière, qu'est-ce que c'était fort. Son père qui est déjà mort. J'aime les photos et l'action. Son père qui est déjà mort many, many years ago. Déjà mort. Hein? 10 ans. Il est mort il y a 10 ans. Vous la connaissez? Et c'est ce qu'elle a dit, hein? C'est ce que les esprits la disaient. Ah, vous étiez attentifs, soyez bénis. Il y a 10 ans. Oh oui, oui, parce que j'ai oublié. 10 ans. C'est là où la théologie et beaucoup de gens qui ne sont pas dans les ministères de délivrance auront comme. Bon, c'est la folie ou quoi? Quelqu'un qui est déjà mort mais qui parle. Mais personne ne lui a demandé de parler, hein? Vous étiez là, vous avez compris cela, n'est-ce pas? Le feu du Saint-Esprit est allé chercher les problèmes là où il était. Et le feu a réveillé les problèmes. Et elle a surgi en disant, lâchez-moi, 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 lâchez-moi. Personne ne lui a dit, lâchez. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Il dit, oh, toi qui es-tu? Oh, je suis son père. Elle ne va pas se marier. Donc, un papa qui est déjà mort, mais qui se glorifie de lier les mariages de sa fille. Mon Dieu. Comment nous on va laisser la délivrance? Comment? Pourquoi? On ne laissera pas. Ben, c'est révoltant. C'est très révoltant. Des fois quand on prie ici, les gens disent, oh, vous priez sur les gens que vous connaissez. Non, je ne connais pas cette dame-là. Nous ne la connaissons pas. Mais le feu du Saint-Esprit a fait son travail. Donc on ne va pas laisser ça comme ça. On doit suivre ces gens. On doit les encadrer. On doit les cadrer. On doit les canaliser. Afin qu'ils conservent la grâce qu'ils reçoivent à travers de notre ministère. Le racheté est une grande église, c'est un grand ministère. Oui, tu dois être fier de cela. Donne gloire à Dieu. Et nous donnons humblement gloire à Dieu pour cela. J'ai un sujet que je voulais partager avec vous ce matin. Je vais commencer aujourd'hui. Je vais aller au fur et à mesure que nous avancerons. Bon, il est tellement long, j'espère que j'aurai le temps. Mon grand thème, c'est de la brousse à la royauté. Mais j'ai un sous-thème. De la brousse à la royauté, nous allons étudier le personnage de David. Mais avant David, il y avait quelqu'un qui était là, qui était déjà roi à sa place, du nom de Saoul. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, on va commencer à étudier un peu le personnage de Saoul. C'est là où j'ai mon sous-thème, la désobéissance. 2 points, un frein à l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. La désobéissance, un frein à l'accomplissement du plan de Dieu pour une personne. Donc le Seigneur peut avoir des plans, des projets qu'il a élaborés pour quelqu'un. Des projets exceptionnels, une destinée exceptionnelle. Mais là où le Seigneur rencontre la désobéissance, il risque d'arrêter ses plans et de changer ses plans pour toi. Pourquoi? Parce que la désobéissance l'aura freiné, l'aura arrêté. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 25, le verset 17 au verset 19. Si on était en anglais, on dirait Deutéronome, chapitre 25, verset 17 et verset number 19. Je vais aller rapidement parce que la lecture risque de me prendre le temps. Et moi, j'aime le chant, tu vois que ça m'a pris déjà le temps. On va lire ça à haute voix. Souviens-toi de ce que tes filles Amalek pendant la route
lors de votre sortie d'Égypte. Est-ce que tu lis avec moi? Comment il te rencontra dans les chemins et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Verset 19. Lorsque l'Éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu lis ça, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Est-ce que tu as lu ça avec moi? Ne l'oublie point. Amen. Tu peux voir maintenant ce que Amalek avait fait dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, à partir du premier verset au 17e verset, tu pourras voir, mais ici pour sauver le temps, je vais juste lire Exode 17, 14 et 16. Exode 17, 14 et 16. J'aime les gens qui participent, n'est-ce pas? Est-ce qu'on veut lire la parole à haute voix? On y va. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que je facerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Qui dit Amen? Maintenant, nous allons dans 1 Samuel au chapitre 15. Le Seigneur avait maintenant exécuté ce qu'il avait promis. 1 Samuel au chapitre 15 du 1er au 10e verset. J'ai besoin des frères et sœurs qui ont la force pour lire la parole à haute voix, n'est-ce pas? On y va, go! Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, continue à lire, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. L'ordre de Dieu était clair. Verset 4, Saoul convoqua le peuple et en fit la revue. À Telaïm, il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kenyans, allez, retirez-vous. Mets-moi le 7e verset, mets-moi le 7e verset, 8e, on va aller vite. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tous les peuples en les passant au filet de l'épée. Mais Saoul, tu vois là où les problèmes commencent, lis à haute voix. Mais Saoul et le peuple épargnèrent, souligne ça, épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Verset 21. Verset 21. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs comme des prémices de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Là, Samuel est en train de les blâmer. Verset 22, souligne le verset 22. À haute voix, on y va. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Verset 23,
Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, que la sorcellerie, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Si on veut acclamer le Seigneur à cause de cette parole de l'Écriture, gloire à Jésus. La désobéissance, un frein à l'accomplissement des plans de Dieu dans la vie d'une personne. Qui est Saoul? Le nom Saoul veut dire demander à Dieu. C'est ce que son nom veut dire. Demander à Dieu. Saoul fut le premier souverain d'Israël. Il était de la tribu de Benjamin. Il était le fils de Kish. Et dans ces textes, Saoul était sur une pente qui rapidement allait les conduire à la chute. Il était sur une pente glissante. Dieu l'avait appelé. Dieu l'avait oint par l'entremise du prophète Samuel, afin qu'il soit le souverain d'Israël. Afin qu'il soit le roi d'Israël, afin qu'il soit celui qui allait conduire et diriger le peuple d'Israël. Saoul était le premier roi d'Israël. Israël n'avait pas de roi physique comme ça. Mais Israël avait commencé à envier les coutumes et traditions des pays qui étaient autour de lui. C'est ainsi qu'il va voir Samuel pour lui dire, mais que Dieu nous donne un roi que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher, à qui nous pouvons parler. Et cela avait touché le cœur de Samuel, parce que Samuel comprenait que le peuple demandait quelque chose et il ne comprenait pas que c'est Dieu lui-même qui était en fait leur roi. Alors Dieu va choisir Saoul de la tribu de Benjamin. Même quand on l'appelait, vous allez voir que Saoul s'est caché. À l'époque, quand il n'était rien, quand il n'était rien du tout, il avait l'air même d'être un monsieur timide qui s'est caché. Et quand les sorts étaient tombés sur lui, pour qu'il soit désigné roi, il s'est caché, il ne voulait pas la visibilité. Cependant, Dieu l'avait choisi. Dieu l'avait oint par l'entremise du prophète Samuel pour qu'il soit le leader et le dirigeant, le capitaine du peuple du Seigneur. Parce qu'à l'époque, le roi était choisi par Dieu et il y avait une onction royale qui les accompagnait, afin qu'ils soient à mesure d'accomplir leurs tâches et leurs responsabilités. Mais nous allons voir avec vous les problèmes de Saoul. Une fois assis sur le trône royal, une fois son royaume a commencé un tout petit peu à s'affermir, Saoul avait de la misère à obéir aux lois et aux préceptes et aux commandements du Seigneur. Quelle que soit la tâche à exécuter, il n'obéissait jamais complètement à ce que Dieu lui disait. Dans ce chapitre, Dieu ordonna à Saoul de détruire les Amalécites. Dieu a dit à Saoul, je me rappelle de ce qu'Amalek avait fait à mon peuple Israël alors qu'il sortait de l'esclavage égyptien. Dans le livre des Deutéronomes qu'on a lu avec vous, Dieu dit à Saoul, à Samuel, je me rappelle de ce qu'Amalek avait fait. Amalek avait barré la route au peuple d'Israël qui venait de sortir d'Égypte afin de ne pas aller et conquérir le pays de la promesse qui leur avait été promis par le Seigneur. Amalek était sorti et il a commencé à tuer les peuples d'Israël alors que certains parmi eux étaient faibles, épuisés par la force
de la marche dans le désert. Exode chapitre 17, au premier verset, la Bible dit, Amalek sortit pour combattre Israël à Rephidim. Amalek était un ennemi acharné à Israël. Amalek ne voulait pas que les plans de Dieu se réalisent auprès du peuple du Seigneur Israël. Amalek ne voulait pas cela. Amalek ne comprenait pas qu'il se tenait pour être comme un obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie d'Israël. La Bible dit qu'Amalek avait mis des embuscades, des obstacles. Il a barré la route à Israël pour que ces derniers ne continuent pas sa marche pour conquérir le pays de la promesse. Alors Dieu s'en est souvenu 500 ans plus tard. Il va parler au prophète Samuel. Il a dit, va dire à Saoul que je me souviens de ce qu'Amalek avait fait. Maintenant tu vas aller avec l'onction, la grâce que je t'ai faite, va détruire Amalek. L'ordre de Dieu était clair. On a dit à Saoul, tu vas détruire Amalek. Tu vas ravager son pays. Tu vas tuer les brebis. Tu vas tuer les bœufs. Tu vas tuer hommes et femmes, petits et grands, riches et pauvres. Tu vas les tuer, tu vas ravager les pays. Tu vas vouer les pays par interdit. Tu vas ravager tout ce que tu vas voir. L'ordre et le commandement de Dieu étaient clairs. D'abord, Dieu l'a rappelé comment il était petit, comment Dieu l'a oint, comment Dieu l'a établi comme roi et dirigeant et capitaine de son peuple. Saoul a dit, oui, je vais partir. Il a rassemblé son armée. Il est allé avec son armée attaquer Amalek. Il a attaqué Amalek, il a tué, il a ravagé les enfants, hommes et femmes, petits et grands, riches comme pauvres. Il a tué, mais il n'a pas fait complètement ce que Dieu lui avait dit. Quand il est arrivé à Amalek, il a vaincu Amalek. Mais il a épargné le roi Agag, le roi d'Amalek. Il a épargné le roi Agag. Il a dit, bon roi, toi tu es roi, moi aussi je suis roi. On va arranger ces choses entre nous. Bon, j'ai tué ce que je pouvais, mais toi j'épargne ta vie. Quand il regarde, il y a des brebis qui sont grasses, qui sont bien. Au lieu de les tuer, il ne les tue pas. S'il voit des brebis qui sont chétives, qui sont maladives, s'il voit des animaux qui sont maladifs, il les tue. Mais les animaux qui étaient bien et bien portants, Saoul ne les tuait pas. Saoul les épargnait. Il les gardait avec lui. Ce que Saoul faisait, ce nouvel exemple d'obéissance incomplète de Saoul est rapporté en raison de ses implications à long terme. Parce que si nous lisons la Bible, 5 siècles plus tard, c'est serré un Agakite, c'est-à-dire originaire d'Amalécite, qu'on va appeler Aman, dans le livre d'Esther, au chapitre 3, le premier verset, quand on va descendre, qui va chercher à exterminer le peuple juif. Parce qu'il avait une position d'autorité. Au lieu de tuer, comme Dieu lui avait dit, au lieu d'obéir à ce que Dieu lui avait dit, lui maintenant il faisait des choses selon lui. Si tu regardes, tu le plais, il te laisse la vie. Tu ne le plais pas, il te tue. Il te trouve qu'un peu bizarre, ah, il te tue. Il trouve que, bon, tu as de l'allure, tu as une belle apparence. Bon, il t'épargne la vie. Il a marché dans une désobéissance
qui va lui coûter cher. L'ordre des dieux était clair. Tous ceux qui respirent devaient être tués et voués par interdit. La patience des dieux avait supporté le peuple d'Amalek pendant des années. Mais sa parole n'avait pas changé à leur égard. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et Dieu avait dit, déclare à Josué, j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Si je suis dans les combats spirituels, je dirais, tout celui qui attaque ta vie, Dieu l'attaquera. Tout celui qui combat ta vie, Dieu le combattra. Dieu le combattra jusqu'à son extermination. Je dis, si je suis dans les combats spirituels, c'est ce que je vais dire. Je vais dire, tes ennemis seront les ennemis de Dieu. Tes adversaires seront des adversaires de Dieu. Ton combat sera le combat de Dieu. Tes problèmes seront des problèmes de Dieu. Je vais rappeler à quelqu'un que le Dieu qui a marché avec toi, il s'est décidé finalement de combattre pour toi. Mais parce que tu peux marcher avec Dieu, mais ce Dieu ne rentre pas dans tes combats. Mais par moment, il arrive. Le Dieu qui a marché avec toi depuis l'Haïti, qui a marché avec toi depuis la Côte d'Ivoire, qui a marché avec toi depuis le Centrafrique, qui a marché avec toi depuis le Mali, ce Dieu-là se décide de commencer à combattre pour toi et de te donner la victoire. J'attends quelqu'un acclamer le Seigneur et donner un grand amen à Jésus en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer en prolongation, en prolongation, en prolongation, en prolongation? Le Dieu qui marchait avec toi va bientôt combattre pour toi. Il va combattre Amalek de ta vie. Il va combattre les démons de ta vie. Il va combattre les Agag de ta vie. Il va combattre les cancers, les diabètes. Il va combattre l'autisme, la sorcellerie dans toutes ses formes, dans toutes ses expressions. C'est Dieu-là qui avait marché avec toi. Va se décider maintenant de commencer à te venger, à te venger, à te venger. Je dis à te venger de tous les maux, de toutes les souffrances, de tous les malheurs que tu avais endurés. Sois béni. C'est Dieu là. Il y a toujours un temps pour toutes choses. Quand Amalek s'est levé pour barrer la route à Israël, il pensait que c'était de la blague. Mais Dieu le regardait. Moi, je dis souvent aux sorciers, quand vous envoûtez la vie de quelqu'un, Dieu vous voit. Quand tu bloques l'étoile de quelqu'un, Dieu te voit. Quand tu bloques le mariage, l'intelligence de quelqu'un, Dieu te voit. Il y a un Dieu au ciel. J'ai dit, il y a un Dieu au ciel. J'ai dit, il y a un Dieu au ciel. Quand tu fais pleurer une maman, Dieu te voit. Tu fais pleurer un frère, Dieu te voit. Si j'ai l'onction évangélique, je dirais quoi? Il y a un temps pour toutes choses, n'est-ce pas? Ah, donne-moi ça. Oui, mon enfant, là, Joshua. Il y a un temps pour toutes choses, n'est-ce pas? Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour tomber malade. Il y a un temps aussi pour être guéri. Il y a un temps pour être dans les malheurs. Il y a un temps pour marcher dans les bonheurs. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être célibataire. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour être stérile. Il y a un temps pour avoir des enfants. Oh, je ne sais pas à qui je parle ici. Moi, je dis des fois aux sorciers, aux amalécites, fais ce que tu veux, mais c'est ton problème. C'est ton problème. Quand tu sors pour aller envoûter la vie de quelqu'un, le Dieu du ciel te voit. Il est un peu patient envers toi. Parce que tu attends la nuit pour aller opérer. Mais qui a créé la nuit? Qui a créé la nuit? Je dis, qui a créé la nuit? C'est Dieu qui a créé la nuit. Donc, Dieu sorcier,
tu attends quelque chose que Dieu a créé afin d'en profiter pour aller ensorceler quelqu'un. Mais tu oublies que le Dieu qui a créé la nuit, il a créé également le jour. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand il va dire assez, c'est assez, le jugement de l'Éternel va s'abattre sur ta vie. Quand tu bats les mains, je déclare que 2018 est une année dans laquelle le jugement de Dieu va s'abattre sur tes adversaires. Le jugement de Dieu va s'abattre sur tes ennemis. Le jugement de Dieu va s'abattre sur celui-là qui a combattu ta vie, ton mariage, ta carrière, ton mari, ta femme. Le jugement de Dieu. Je dis le jugement de Dieu. Oh, quand tu acclames, je sens un mouvement angélique. Le mouvement de Dieu. Le jugement de Dieu. Il va tomber au Mali, dans les camps de la sorcellerie, dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Le jugement de Dieu. Quand Dieu décide, se décide d'agir, des fois il n'avertit pas ses serviteurs. Ça peut être un jour ordinaire comme celui-là. Mais Dieu en a eu marre de cette tente-là qui a longtemps lié ta destinée. Dieu en a eu marre. Oh, 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 oh. Les hommes, Raymond, rapidement. Amenez-la ici. Quand vous battez les mains, il y a la gloire de Dieu ici. Amenez-la ici. Amenez-la ici. J'ai dit battez les mains, battez les mains. Le jugement de Dieu doit tomber en Haïti, vers les îles. Hé, prends-moi ça ici. Le jugement de Dieu doit tomber, doit tomber, doit tomber, doit tomber. Quand tu bats les mains, tu... Est-ce qu'on bat les mains ici? Quand tu bats les mains, le jugement de Dieu va tomber sur tes ennemis, sur tes adversaires. Le jugement. Je dis assez, c'est assez. Crie fort, assez, c'est assez. Je ne t'entends pas. Assez, c'est assez. Je dis assez, c'est assez. Je ne vais pas continuer à pleurer comme ça. À Ottawa, c'est comme ça, là. Une dame comme ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il va commencer à juger ce monsieur. Je dis, tu es où? Oh, je suis mort. Mais tu es où? Je suis en enfer. Je dis que le feu de Dieu te brûle façon. Je sens une forte colère du Saint-Esprit ici. Celui-là qui a lié l'intelligence de tes enfants. C'était pas mon message. Celui-là qui a lié l'intelligence de tes enfants, qui profite de l'innocence de ton enfant pour les lier, bloquer son étoile. Que le feu. Igwe, donne-moi la guitare basse ici. Que le feu. Le feu le brûle. Où qu'il soit, dans la forêt, dans le désert, dans le fleuve, où qu'il soit, oh je dis où qu'il soit, de près ou de loin, vivant ou mort. Aïe 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 aïe. Je te donne une minute, parle en langue, Zabaïko. Si tu ne parles pas en langue, loue le Seigneur. Je te donne une minute. Que celui qui a lié tes finances, que le feu le brûle.
Que le feu le brûle. Que le feu le brûle. Le Dieu qui a marché avec toi, il s'est décidé de combattre lui-même pour toi. Oh, je libère ton mariage qui a été lié dans des grottes. Je libère ton mariage. Je libère ton étoile. Je libère ta carrière. Je libère ta bénédiction. Dans le nom de Jésus. My God. My God is a miracle working God. T'écoutes ça là. My God is a miracle working God. God is still in the miracle business. God is still in the blessing business. Des fois, tu veux préparer un message, mais l'Esprit de Dieu te conduit ailleurs. J'aime dépendre du Saint-Esprit. Lève la main comme ça, dis gloire au Seigneur. Je reçois mon miracle. Ah, je reçois ma percée. Je reçois ma promotion. La prochaine personne qui sera promise, elle s'appelle Ézéchiel. Le problème avec Saoul, Dieu l'a envoyé exercer le jugement de Dieu chez les Amalécites. Saoul a marché, suis-moi bien ici, tenez les enfants, il a marché sur les chemins du Seigneur, regarde-moi très bien, il a marché sur les chemins du Seigneur, mais il n'a pas observé la voie du Seigneur. C'est ce que j'appelle la désobéissance. Il a marché sur les chemins du Seigneur. Quel chemin? Le Seigneur lui a dit, va chez Amalek, tue. Il est allé quand même chez Amalek. Mais il n'a pas observé pleinement la voie du Seigneur. Il a opéré dans ce que j'appelle une obéissance incomplète. Une obéissance incomplète est une désobéissance aux yeux de l'Éternel et cela a des conséquences fâcheuses dans nos vies. Dieu voulait affermir son royaume. Dieu voulait affermir le royaume de Saoul. Mais Dieu, regardez jusqu'à quel point Saoul peut l'obéir. Frère, des fois Dieu veut nous affermir. Parce qu'il y a toujours des étapes dans la vie de quelqu'un. Il y a une étape où Dieu t'appelle. Il y a une étape où finalement, à part l'appel, maintenant Dieu t'établit. Il y a une étape où Dieu veut faire asseoir les choses dans ta vie. Il veut affermir ton mariage. Il veut affermir ta destinée, tes affaires. Il veut affermir ta carrière. Il veut te rendre plus fort et plus glorieux. Mais cela dépend de ton obéissance à la voix du Seigneur. Je vais dire ici que l'obéissance à la voix de Dieu, c'est la clé à la bénédiction totale. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la voix du Seigneur. L'obéissance aux instructions que Dieu te donne, que Dieu nous a déjà donné dans sa parole. Voilà la véritable clé à l'affermissement de ton royaume. Voilà la véritable clé
à l'affermissement de tes affaires. Voilà la véritable clé à l'affermissement de ta famille, de ton foyer, de ton mariage. L'obéissance à la voix du Seigneur. Il est marché sur les chemins du Seigneur, mais il n'a pas écouté pleinement la voix du Seigneur. C'est ce que Dieu lui avait dit. L'ordre de Dieu est clair. Dieu a dit, je me souviens de ce qu'Amalek avait fait. J'avais promis à Amalek que je me vengerais. Comme Dieu peut promettre à tes ennemis qu'il va se venger pour toi. Donne-moi un très bon amen. Alors donne-moi un amen avec une voix un peu bizarre comme la mienne. Alléluia. Maintenant, l'instrument de la vengeance de Dieu, c'était Saoul. Saoul va là-bas au lieu de tuer tout le monde. Lui, maintenant, il commence à suivre l'apparence. Il met les sentiments. Il met les émotions. Il voit ses intérêts à lui personnels. Verset 4 à 12e nous dit que Saoul vainquit complètement Amalek en le passant au fil de l'épée, sauf le roi. Il épargna le roi Agag et la meilleure partie du butin. Dieu ne lui avait pas dit de garder une partie du butin. Bien qu'éloigné des kilomètres, l'Éternel informa Samuel de la désobéissance de Saoul. Ce qui troubla profondément Samuel qu'il avait oint pour roi en Israël. Et le poussa à passer la nuit dans la prière en train de se lamenter. Pour Saoul, parce que Samuel savait ce que ça coûte quand tu désobéis à la voix du Seigneur. Samuel a vu son mentor, son coach, Élie, mourir à cause de la désobéissance de ses enfants qui jouaient dans le temple de Dieu. Samuel savait ce que ça coûte à quelqu'un quand il n'écoute pas pleinement la voix du Seigneur. Samuel a pleuré toute la nuit pour Saoul. Il a imploré le Seigneur. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui arrive à ce jeune homme? C'est moi qui étais le voir. C'est moi que Dieu avait envoyé pour le oindre comme capitaine du peuple d'Israël. Mais comment n'a-t-il pas écouté? Comment n'a-t-il pas suivi pleinement la voix du Seigneur? Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il a pleuré tellement, de sorte qu'un jour Dieu lui a dit, mais arrête de pleurer sur Saoul. Je l'ai déjà rejeté. Frère, des fois nous ne savons pas, nous ne savons pas. Même nous qui prêchons, nous ne sommes pas des dieux. Les calculs de Dieu, les affaires de Dieu, l'approche de Dieu sur nous, personne n'en a la maîtrise. Tu peux commettre une erreur qui risque de te coûter tout ton ministère. Tu peux marcher dans une désobéissance qui te coûte, qui coûte à ta famille. Qui coûte à tes enfants. Pour le cas de Saoul, la désobéissance lui a coûté son trône et son royaume. Et quand Samuel a appris cela, d'abord, quand il a fini de tuer, il n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit. Il est allé vite dans 1 Samuel 15, 13 et 35. Saoul est allé vite pour s'ériger un monument. Ce n'était plus le monsieur timide qui se cachait derrière la foule. Maintenant, il aimait la gloire. Saoul avait oublié d'où Dieu l'avait tiré. C'était maintenant un monsieur de gloire et d'honneur. Il aimait tellement la gloire et les honneurs. Il est allé s'ériger un monument à Gilgal. Mais quand Samuel va les rencontrer, Samuel voyait les choses différemment. Il reprocha à Saoul sa désobéissance. Mais Saoul, le problème avec Saoul, il ne manquait pas d'excuses. Il ne manquait pas d'excuses. Tu sais, c'est là où on reconnaît un enfant de Dieu. Celui qui est réellement né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau. Face à un problème dont il sait très bien que c'est lui qui a tort. Au lieu de demander pardon seulement et de s'humilier. Mais le pardon que nous demandons, regarde comment il est. Non, la façon dont on demande pardon. Si je t'ai fait mal,
Bon, excuse-moi, si j'étais fait mal, hein, si j'étais fait mal, moi je n'avais pas parlé dans ce sens-là, mais si j'étais fait mal, mais pardonne-moi, tu peux me pardonner. Si j'étais offensé, tu peux me pardonner. Si, mais si je fais ça, c'est parce que ça, c'est Saoul, le comportement de Saoul, c'est un comportement d'un chrétien charnel, un chrétien arrogant, un chrétien orgueilleux. Il côtoie l'église, il va à l'église, mais il ne suit pas pleinement la voie du Seigneur. Saoul a dit à Samuel, j'ai suivi le chemin du Seigneur. J'ai fait ce que Dieu m'avait dit de faire. Samuel lui dit, non, tu n'as pas fait ce que Dieu t'avait dit de faire. Comme il cherchait toujours des excuses. Non, moi je ne voulais pas, mais le peuple a épargné le roi Agag. Dieu t'avait dit de tout tuer. Dieu n'avait pas parlé au peuple. Dieu avait parlé. T'avais parlé à toi, c'est à toi que Dieu s'était, n'est-ce pas, exprimé. C'est à toi que Dieu a donné la vision. Ce qui arrive à Saoul est une grande interpellation pour tout responsable dans toute couche de la société, qu'il soit parent, qu'il soit pasteur, qu'il soit leader, qu'il soit président, qu'il soit gouverneur, qu'il soit je ne sais qui. Tout responsable, quand Dieu te donne une responsabilité, quand Dieu te donne un ministère, un travail, une vision, une mission, quand Dieu te donne, même nos enfants là, nous sommes les responsables. Et nous rendons compte comment nous les avons élevés auprès du Seigneur. Mais quand tu sais ce que le bien que tu dois faire et que tu ne le fais pas, c'est un péché. Et cela est une désobéissance à la parole du Seigneur. Donne-moi un très bon amen. Bon, je sais que ce sont des parenthèses qu'on n'aime pas aujourd'hui dans les églises. Trop d'excuses. Dieu a rejeté Saoul. Trop d'excuses. Seigneur, pardonne-moi. Mais si j'ai fait, j'ai craigné le peuple. J'ai craigné le peuple. Mais le peuple peut te faire tuer. Le même peuple là acclamait Jésus. Mais c'est le même peuple là qui criait Hosanna, béni soit celui qui est venu, qui vient au nom du Seigneur. C'est le même peuple là. Quelques années plus tard, ils vont dire crucifiez-les, nous ne voulons pas. Libère-nous, Barabbas, là, les bandits. Nous préférons les bandits, mais ces messieurs ici, non, nous n'avons rien à faire avec lui. Trop d'excuses. Si je ne suis pas venu à l'église, c'est parce que tu vois ces derniers temps, j'ai quand même les enfants pleurent trop. Bon, non. Voilà pourquoi je ne viens pas. Mais ma soeur, tu oublies combien de fois tu as pleuré pour que ces enfants-là viennent dans la présence du Seigneur. Trop d'excuses. La génération de Saoul. Trop d'excuses. Bon, si je ne viens plus à l'église ces derniers temps, tu vois, je suis très occupé tellement avec le travail. Je suis tellement. Et il y a un frère qui m'a tellement fait rire. J'ai dit, waouh, on a prié pour le travail. Dieu ouvre les ciels. Même les paroles de connaissance et vision sont venues. Et Dieu donne le travail. Mais dès que le frère a eu ce travail, le poste qu'il voulait, depuis ces jours-là, jusqu'aujourd'hui, on ne le voit plus jamais à l'église. Pasteur, je suis tellement occupé avec le travail. J'aime venir. Je suis tellement occupé, mais ah, tu sais mon travail, je suis tellement occupé. La réunion de presse, c'est le vendredi. Bon, je venais le vendredi. Lui-même, il sait qu'il ne viendra pas. Trop d'excuses, inutiles. Trop d'excuses. Mais les bruits du rejet du royaume de Saoul avaient déjà atteint les oreilles du prophète Samuel. Qui les laissa dans une grande confusion. Saoul, le problème avec Saoul, il était toujours en train de redéfinir les commandements de l'Éternel, de redéfinir, de chercher à colorer les choses à sa façon, à faire les choses à sa manière. Le problème avec Saoul, il était toujours en train de redéfinir les commandements de l'Éternel et de faire ce qui, à ses yeux, lui semblait bon. Au lieu de faire ce qui était bon et mieux et meilleur aux yeux de l'Éternel, il faisait ce qui lui semblait lui bon, parce qu'il plaisait le Seigneur.
Les problèmes avec Saoul, même quand il se repent, sa repentance n'est pas sincère. Faisant semblant de se repentir, il va supplier Samuel de ne pas l'abandonner. Lorsque le prophète essaya de partir, dans les textes qu'on a lus, n'est-ce pas, Saoul saisit ses vêtements. Et comme il avait saisi son vêtement par mégarde, il va déchirer le pan de la robe du prophète Samuel. Samuel va se tourner vers lui, il va lui dire, aujourd'hui, la même façon que tu as déchiré mon vêtement, l'Éternel vient de déchirer ton royaume. C'était en réalité la fin du règne du roi Saoul. La désobéissance à la voix du Seigneur empoisonne notre relation avec Dieu. La désobéissance empoisonne notre communion avec le Seigneur. La désobéissance appelle ce qu'on appelle, une fois quand je travaillais pour Bell Canada, quand la ligne a comme des, on appelle ça ici comme un grichement. Tu parles avec quelqu'un, mais il y a des grichements, il y a des bruits, il y a des bruits, il y a des bruits. Oh monsieur, envoyez-moi un technicien, envoyez-moi, envoyez-moi. Il y a des grichements. La désobéissance à la voix du Seigneur amène du bruit dans notre relation avec le Seigneur. Tu ne pourras plus bien l'entendre. Lui non plus ne pourra plus bien t'entendre. Parce que tu opères dans la désobéissance. La désobéissance empoisonne notre relation avec le Seigneur. La désobéissance amène la mort. La désobéissance déchire le royaume de quelqu'un. C'est quoi la désobéissance avant de finir? La désobéissance, c'est le refus de faire ce qui plaît à Dieu, tout simplement. C'est le refus de faire ce qui plaît à Dieu et faire ce qui plaît à tes propres yeux. Tu sais ce que Dieu t'a dit de faire. Tu sais que Dieu a dû fouiller l'impudicité. Tu sais que Dieu a condamné les avortements. Tu sais que Dieu a condamné les mensonges. Tu sais que Dieu condamne les critiques. Tu sais que Dieu a dit d'amener à la maison du trésor nos dîmes et nos offrandes. Nous savons ce que Dieu nous a dit parce que nous sommes des croyants. Nous lisons la Bible et nous ne devons pas choisir une portion de la Bible qui nous plaît. Et la portion qui ne nous plaît pas, on laisse ça comme cela. J'ai aimé l'enseignement avec le pasteur Fidèle, lui parler du profil de Jonas. Un prophète désobéissant, il peut écouter la voix de Dieu, mais il refuse de marcher dans ce que Dieu lui a dit pleinement. Et nous avons vu ce que ça a coûté à Jonas et à ceux qui étaient avec lui. Donc la désobéissance, quand tu désobéis à la parole, à la voix, aux instructions, aux directives du Seigneur, tu es en train de déranger la vie même des gens qui sont autour de toi. Donne-moi un très bon amen. Je dis donne-moi un très bon amen. Tu sais qu'en des gens responsables, on ne travaille pas seulement pour nous. Hein? C'est seulement dans d'autres pays où je n'aimerais pas aller là-dedans. Mais un gouvernement responsable, quand il travaille, il ne voit pas seulement lui. Il voit après lui. Quel est l'héritage qu'il va léguer à la génération future? Qu'est-ce que la génération future, la génération qui viendra, dira de lui? Quand il était ministre, quand il était, c'est pas président ou roi, qu'est-ce qu'il avait fait? Donc, ils agissent en responsable. Nous, les chrétiens, on devrait agir aussi en connaissance de cause, en responsable, tout en sachant que notre désobéissance aux voix du Seigneur, mais ça va affecter nos enfants. Ça va affecter notre entourage. La désobéissance a appelé la tempête dans le bateau. L'eau, la vague, le vent vont souffler sur la mer. Dans le bateau, il faisait naufrage. À cause de Jonas qui était avec eux. Les autres n'avaient pas de problème. Le problème, c'était Jonas. Mais quel était le problème majeur de Jonas? La désobéissance. Dieu lui a dit, va prêcher à Ninive. Lui commence à calculer les gens de Ninive. C'est des païens. Ces gens-là ne sont pas des juifs. Ils ne sont pas des hébreux. Comment Dieu va avoir pitié d'une telle nation? Ah ben, je n'irai pas là-bas.
Je n'irai pas là-bas. Je vais fuir. Là, il va fuir, il rentre dans un bateau et il va fuir là-bas sur la mer. Mais qui a créé la mer? Qui a créé le vent? Alléluia. La désobéissance, c'est le refus de faire ce qui plaît à Dieu et faire ce qui plaît à tes propres yeux. Une obéissance incomplète est considérée comme une désobéissance. Et cela a des conséquences aux yeux du Seigneur. Des conséquences fâcheuses. La désobéissance de Saül lui a coûté son trône. Je ne sais pas qu'est-ce que la désobéissance va te coûter à toi, ma soeur. La désobéissance peut te coûter ton mariage. À Saül, ça lui a coûté son trône. Dieu était devenu intransigeant envers Saül. Dieu ne voulait même plus trop en parler. Quand Samuel a plaidé sa cause, Dieu lui dit non, non, niette, c'est fini. Je l'ai rejeté. Cet enfant ne m'écoute pas. Cet enfant s'est levé contre les plans que moi, Dieu, j'avais sur mon peuple. J'avais déjà dit que j'allais venger Amalek. Je n'étais pas content. Le fait que Amalek est sorti pour barrer la route à mon peuple, j'avais promis à Amalek que je me vengerai. Je descends sur la terre. Je vais utiliser Saül pour aller venger mon peuple Israël. Lui, il va là-bas. Il tue, mais il épargne d'autres gens. C'est fini. Quand Moïse a désobéi à Dieu une fois, Dieu lui a dit, fini, je t'ai dit de parler au rocher. L'eau allait sortir. Tu pars, tu frappes, tu crées la confusion. Ben écoute, tu n'entreras plus. Tu ne vas plus entrer au Canaan, dans le pays de la promesse. Une fois quand Moïse a voulu ramener le sujet, mais qu'est-ce que tu penses de la terre promise? Je dois quand même rentrer. J'étais servi, Dieu dit, ne me parle plus de ça. J'ai déjà dit, fini, niette. C'est là où Dieu doit nous faire, ça nous fait trembler. You know, le fait de prêcher ici ne fait pas de moi un homme parfait, un homme, c'est comment, non, non. Nous prêchons nous-mêmes en tremblant. Je vous dis la vérité. Nous prêchons en tremblant parce que tu vas voir, hein, tu devais bien acclamer, tu vas voir finalement que Dieu, même quand on dit, hein, oh, il est l'ami de Dieu. Dieu soit mon ami. Bon, c'est bien. Mais si tu lis bien la Bible, tu verras que Dieu n'a pas d'amis. Hein? Ah, Dieu n'est pas ton grand-père. Dieu, il est aussi imprévisible. Unpredictable. Combien de prédicateurs, je n'ai pas vu prêcher, il finit comme je prêche, il finit, il va s'asseoir. Fini, Dieu l'appelle. Oh, il a quel âge? 46 ans. 46 ans. Un homme de Dieu meurt comme ça. Ah, Seigneur. Waouh. Ça sème les troubles, la débile. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi c'est arrivé? On ne sait. Dieu est imprévisible. Voilà pourquoi soyons obéissants à la voix du Seigneur. Servons Dieu avec crainte et tremblement. Tu es à la chorale. Sers Dieu avec crainte et tremblement. À l'accueil, aux médias, partenaires, intercesseurs. Maman, papa, servons Dieu avec crainte et tremblement. Toute l'église devrait acclamer le Seigneur. La désobéissance peut t'écouter ton ministère. Elle peut t'écouter ta carrière, ta promotion, ton mariage. Verset 32 d'1 Samuel 15, avant de finir, Samuel a porté un fardeau les restants de sa vie à cause de la désobéissance de Saül. D'une manière, Dieu lui-même s'est repenté d'avoir choisi Saül comme roi d'Israël. Quand la Bible dit que Dieu s'est repenté, cela veut dire que Dieu avait changé ses objectifs concernant le royaume de Saül. Donc la désobéissance peut faire changer à Dieu ses plans à ton égard. Oui. Je dis oui. Dieu n'avait pas appelé Saül pour qu'il les rejette comme ça si tôt. Non, 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 non. Dieu voulait affermir à cause de sa désobéissance. Saül, s'il l'aurait choisi, ou s'il avait choisi l'obéissance, son royaume serait affermi. L'obéissance à Dieu et à sa parole affermirait son royaume, sa relation avec lui. Parce que l'obéissance, comme j'ai dit, affermit une relation.
L'obéissance est établie et affermie et crée une complicité entre père et fils, entre mère et fille. L'obéissance affermit le royaume, affermit les ministères, affermit les mariages, affermit la bénédiction. Le verset 22, 1 Samuel 15, 22, peut-être je vais finir par là. Parce que quand Samuel a commencé à se justifier, il a dit, on a épargné les brebis pour les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Tu vois comment il dit, à l'Éternel ton Dieu. Lui-même, sa conscience pouvait lui reprocher quelque chose. Pourquoi il ne dit pas à notre Dieu? Pourquoi il dit à l'Éternel ton Dieu? Lui-même, sa conscience pouvait lui reprocher quelque chose. Samuel dit à Saoul, ce verset-là me fait peur. Samuel dit à Saoul, l'Éternel, est-ce qu'on peut lire ça? L'Éternel, trouvait-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Le verset 23 me fait fuir. Verset 23, car... Est-ce que tu lis ça? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Tu sais, la divination, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une vérité essentiel de l'Ancien Testament, qui veut dire que Dieu désire l'obéissance du cœur, notre obéissance du cœur, plus que les sacrifices rituels que nous pouvons amener en sa présence, les sacrifices d'animaux, de béliers, de brebis. L'obéissance du cœur vaut plus que les rituels des sacrifices. Parce que Saoul dit, oh non, on a épargné les brebis, on va les sacrifier pour l'Éternel ton Dieu. Samuel lui dit, qui t'a dit que Dieu a besoin de la graisse des béliers? Qui t'a dit que Dieu prend plaisir à la graisse des béliers beaucoup plus? Ou comme à l'obéissance à sa parole? Les systèmes sacrificiels n'a jamais été destiné à remplacer une vie d'obéissance. Il devrait plutôt en être l'expression. Les systèmes sacrificiels, quand on fait des sacrifices, n'a jamais été destiné à remplacer une vie d'obéissance. Il devrait plutôt en être l'expression. Donc, si je me sacrifie, ça doit être mes sacrifices que je suis en train de faire ou de fournir à cause du Seigneur ou pour l'œuvre de Dieu, l'obéissance devrait en être la motivation. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis, est-ce que je me fais comprendre? Si je me donne, comme des frères se donnent, hier on était à Ottawa, on est allé 2 heures, frère André, l'équipe, tout le monde travaillait d'arrache-pied. Ce sont des sacrifices énormes. Maintenant, les motifs de ces sacrifices, ça ne devrait pas être pour qu'on me voie. Non, ça doit, le motif de ce sacrifice doit être l'obéissance à la parole du Seigneur. Nous y allons à cause de l'œuvre de Dieu. Nous y allons parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Maintenant, en se sacrifiant ainsi, notre obéissance à cette parole devait être la base, la motivation, le mobile. Qui dit amen? Qui dit encore amen? Je le répète pour toi, le système sacrificiel n'a jamais été destiné à remplacer une vie d'obéissance. Tu peux te sacrifier, mais si l'obéissance n'est pas le mobile, c'est zéro devant Dieu. J'ai sacrifié ma vie, j'ai fait ceci, j'ai donné ceci, j'ai fait cela. Tu donnais ça pourquoi? Tu faisais ça pourquoi? Pourquoi tu faisais ça? Toute l'église devrait acclamer. Pourquoi tu donnais? Pourquoi tu faisais ce que tu fais là? Pourquoi tu chantais? Pourquoi tu n'as pas... Tu as fui l'impureté et l'impudicité. Pourquoi? Toutes ces choses-là. Tu t'es sacrifié pourquoi? Est-ce que c'est pour montrer aux gens? Est-ce que c'est pour se faire voir? Est-ce que c'est pour finalement tourner contre les pasteurs? Pourquoi tu les faisais? Est-ce que c'était par obéissance de la parole?
un commentateur de la Bible du nom de Erdman, un Américain, a commenté sur ce verset en Samuel 15, 22 en disant ceci: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La pensée prend une nouvelle forme en particulier sur tout ce qui plaît à Dieu et seulement dans une disposition obéissante de l'esprit. Dans une disposition obéissante de l'esprit. Ceci est en soi une bonne chose. Les sacrifices, sans une telle disposition, ne l'est pas. Il n'a pas de valeur morale. Les sacrifices, sans une disposition d'obéissance à Dieu. Sacrifice, mais sans la disposition d'obéissance à la parole de Dieu, n'a aucune valeur morale, n'a aucune bénédiction, n'a aucune valeur. Autant ne même pas se sacrifier. Est-ce que je me fais comprendre? Ainsi, la désobéissance, la révolte et l'indépendance provocante qui en résulte est semblable en essence et moralement avec la méchanceté et la sorcellerie. Parce que Samuel a dit, c'est là, la désobéissance, c'est comme la sorcellerie. Ramenez-moi ça, 23. L'observer, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu sera jugé de la même façon qu'on va juger ceux qui pratiquent la divination. Dans notre version, le mot divination est remplacé par sorcellerie. Donc la sorcellerie peut prendre plusieurs tournures. C'est pas seulement voler la nuit. Un mauvais cœur exagéré. Un cœur qui n'est pas content quand son frère est béni. C'est la sorcellerie. Tu seras coupable que la divination. Samuel met ça au même niveau. Six choses auxquelles Saoul avait failli. Il a épargné la vie du roi d'Amalek alors qu'on lui avait dit de tuer. Il a épargné les mères brebis. Il a épargné the best oxen. Oxen, how you call oxen in English or in French? Oxen. Hein? Les ânes, voilà, thank you. Il a épargné the best lambs. Il a épargné les agneaux qui étaient là. Il a épargné the best fatlings. Dans tous les animaux qui étaient gras, qui avaient la graisse, il les a épargnés. Il a épargné tout ce qui était bon, alors que Dieu lui avait dit de tuer tout ce qui respirait, de tout ce qui vivait, et vouer le pays par interdit. C'était une désobéissance totale à l'ordre qui lui a été donné. Et vraiment, pour finir, voici quelques raisons de sa désobéissance, selon ce que j'ai fait comme étude. Quelques raisons de la désobéissance de Saoul. D'après moi, il était devenu orgueilleux et arrogant. Dans 1 Samuel 15, verset 13, nous le voyons, après avoir remporté la victoire, il va vite à Gilgal pour ériger un monument en son honneur. Il a oublié les dieux qu'il avait appelés, les dieux qu'il avait pris alors qu'il n'était rien. Il est devenu arrogant et orgueilleux. Faisons attention, même nous, hommes de Dieu, quand Dieu nous utilise dans les délivrances, guérisons, miracles, prophéties, faisons attention. Quand la bénédiction passe par nos mains, ne devenons pas arrogants ni orgueilleux, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ne deviens pas orgueilleux, ma soeur, si tu as un bon travail, si finalement Dieu t'a donné un bon mari, une bonne femme, les enfants, un bon travail, un bon statut social. Ne deviens pas orgueilleux, ma soeur, à cause des études que tu as faites. Ne te considère pas trop au-dessus de tout le monde à cause de ce que tu es devenu. Souviens-toi plutôt d'où Dieu t'a tiré. Ah, ça c'est un enseignement. Je dis ça c'est un enseignement. Toute l'église devrait acclamer. Je dis ça c'est un enseignement. Ézéchiel, tu dois te souvenir que tu n'es rien. Dieu t'a pris du néant. Tu es d'ailleurs orphelin. Ton père est parti à l'âge de 38 ans.
Tu n'avais que 10 ans. Tu ne pouvais même pas rêver venir en Occident. Tu n'as ni oncle, ni tante, personne qui soit déjà venu ici. Tu as venu ici, il n'y a que Dieu. Si Dieu t'utilise, ne t'enorgueillis pas. C'est Dieu qui t'a donné ces dons-là. Je dois toujours me les dire. Je dois toujours me les rappeler. Ça, c'est dans mon cas à toi. Toi, maintenant, souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. Souviens-toi, ma soeur, que tu n'étais rien. C'est Dieu qui t'a donné un bon mari. Pourquoi tu veux te moquer de celle qui n'a pas encore trouvé le mariage? Pourquoi tu veux te moquer de celle qui passe par la délivrance? C'est comme si toi, on ne t'avait pas non plus délivré. Quand tu vois les cas de la délivrance de notre soeur, tu es là, ah, regarde vraiment ces cas-là. Ces cas-là est pire. Hein? Ces cas-là est pire. Et alors ton cas, toi, il était comment? Et alors les cas de tes enfants, il était comment? Et alors toi, tu viens d'où? Toute l'église devrait acclamer. Ça, c'est un enseignement. Deuxièmement, il s'exaltait lui-même. Merci beaucoup. Il s'exaltait lui-même. Il s'exaltait. Saul était devenu comme ça. Troisièmement, il était devenu trop grand à ses propres yeux. Trop grand. Ne deviens pas trop grand à tes propres yeux. Quatrièmement, il était devenu indépendant de Dieu. Il ne voulait plus dépendre de Dieu qu'il avait établi, qu'il avait oint. Faisons attention à ça. Dieu aime toujours qu'on dépende de lui. Qu'on dépend, c'est lui. C'est lui qui est grand. Nous tous là, on n'est rien. C'est là à pousser Saoul à négliger l'autorité divine. Et voir même Dieu qui l'avait couronné comme roi d'Israël. Saoul avait suivi le chemin du Seigneur, qui était d'aller tuer Amalek, mais n'a pas pu suivre la voie du Seigneur. Tu peux avoir une grande destinée et la détruire à cause de ta désobéissance. Que le Seigneur vous bénisse. La désobéissance est un frein à l'accomplissement des plans de Dieu. Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Tu veux prier toi-même? Si tu acclames, fais le bien, mais acclame le Seigneur. Remets-toi toi-même en cause. On ne va avoir nos mains, nos têtes baissées. Prie par rapport à cette parole. Change nos cœurs, Seigneur. Prie, prie. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, et que je sois comme. On peut se lever dans la présence du Seigneur. Change mon cœur, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, purifie-moi. Change mon cœur, change mon cœur, Seigneur. Que je sois, un peu plus fort. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur et purifie. Change mon cœur, change mon cœur, Seigneur. Que je sois comme toi. Change mon cœur, change mon cœur.